السلام عليكم مازول في اللون بونجور سيسي اي فينو il a paradé il a porté des lunettes noires il les a enlevées il les a remises il avait un agent du protocole juste pour lui donner ses lunettes noires et les reprendre il avait le beau il avait le plein d'images pour le peuple égyptien qui est sous perfusion permanente de propagandite. Sisi a eu un entretien très fructueux avec son homologue algérien, à peu près aussi bien élu que lui-même. Puis il est reparti, salué chaleureusement par tout le sérail politique qui nous a bien fait sentir que cette fois-ci n'était pas comme les autres, que juste du protocole comme d'habitude en ce genre d'occasion, mais que là, c'était bien un frère d'armes qui était reçu par ses pères, pour ne pas dire ses compères, et encore moins ses comparses. En la personne du président maréchalissime, le régime qu'il a invité, au nom du président de façade, qui ne sert qu'à ça, à servir de façade, ce régime a donc mis le paquet pour soutenir le coup d'État contre Morsi, de la même manière qu'il a développé des moyens immenses pour empêcher Kadhafi et Bachar el-Assad de tomber, de la même manière qu'il a tout fait pour faire entrer la Tunisie dans une violence déchaînée et faire dégénérer le printemps de jasmin. Parce que la noirceur de ce régime et ses antres obscurs ne peuvent s'accommoder de la lumière et de la revivification des peuples. Je ne sais pas pourquoi je trouve des mots difficiles à prononcer, pardonnez-moi. Finalement, ce régime aura réussi partout, sauf en Tunisie, qui lui reste malgré tout en travers de la gorge et qui ne désespère pas de pouvoir plonger un jour dans la débâcle pour pouvoir nous dire « Voyez donc ces printemps arabes, c'est ça que vous voulez pour l'Algérie ?» Pour nous dire « À vous le choix, ou c'est moi ?» Mes prédations, mes dépassements, mes excès, mes abus, mes outrances ou le chaos. À vous le choix. Vous allez au chaos sûrement, mais doucement, avec moi, ou vous y allez tout de suite, sans moi et à la syrienne, si vous pensez pouvoir me balayer comme ça du jour au lendemain. Et donc cette visite de Morsi est un peu dans cet état d'esprit. Des putschistes qui honorent un putschiste. Des putschistes qui ont réussi leur coup et qui se serrent les coudes. Hier, j'avais invité l'ex-PDG d'Air Algérie, Zouéouch Nazim, et l'économiste Mabtoul Abdelrahman, pour parler ensemble de ce même sujet. Monsieur Mabtoul m'avait bien averti, avant d'accepter mon invitation, qu'il ne souhaitait pas intervenir sur la question politique et qu'il posait la condition, dont rester au seul volet économique. Je savais donc que le monsieur ne voulait pas dire le plus petit mal de Sisi et je lui avais préparé des questions purement techniques. Or, quelle ne fut ma surprise pendant que je faisais mon introduction, comme celle-ci, d'être averti par la régie que le monsieur avait raccroché puis qu'il avait éteint son portable pour ne plus être joint. Il m'a laissé au milieu du guet, en pleine émission, parce qu'il n'a pas apprécié que je parle de Sisi comme d'un putschiste, ni des putschistes qu'il avait reçus. J'avoue que j'ai failli en tomber de ma chaise.
Je ne pensais pas que de telles attitudes avaient cours au sein de personnes qui disent d'elles-mêmes qu'elles sont l'alpha et l'oméga de la prestation publique. L'autre invité, M. Zouiwesh, n'a pas apprécié non plus mon intervention et n'a pas hésité à me le dire en antenne. Mais il a eu la correction de rester jusqu'à la fin de l'émission, même si de toute évidence, il penchait plutôt du côté de Sissi que celui de Morsi. On a pu équilibrer, lui et moi. Si tant est que nous soyons réduits à un tel manichéisme. Il a même eu le courage de défendre sa vision des choses, même s'il l'a tempérée par des considérations humanitaires et humanistes de circonstances, du genre qu'il faut envisager le sort des peuples avant celui des dirigeants. Comme si le peuple égyptien, dont la volonté a été violentée, qui a subi des carnages de masse, et dont le président élu a été déposé, puis jeté en prison, n'était pas un peuple. Que seuls ceux qui ont manifesté, comme l'a dit mon invité, en millions contre Morsi, même s'ils ne voulaient pas pour autant qu'un autre coup d'État soit perpétré contre lui, peuvent donc être inscrits sur la liste des peuples, eux. Mon invité a même estimé que Sissi a été élu à un chiffre largement supérieur à celui de Morsi. Pris de court, j'avais oublié, en effet, que Sissi avait été élu au score de République bananière de 96% de voix, après une parodie d'élection avec une abstention historique, malgré les pressions intolérables exercées contre le peuple égyptien pour le contraindre à se rendre à des bureaux de vote réduits de 54 000 à 14 000 pour donner l'illusion d'une forte affluence. Mais enfin, M. Zouéouch a eu le front d'affirmer ses opinions et de les défendre quoi qu'il en coûte, contrairement à M. Mbtol, dont la dérobade m'a plus surpris que choqué. J'ai l'habitude de gens qui ne veulent pas trop mouiller leur réputation et surtout leur étiquette d'expert international, surtout lorsqu'il est question de parler pétrole, gaz et autres domaines où il ne fait pas très bon d'être mal vu de la Saoudie. Mais lui, qui a suivi mes émissions et qui sait que les invités s'y expriment sans aucune entrave et sans qu'un quelconque cadrage ne leur était imposé, il aurait pu rester et même défendre Sissi si ça lui chantait. Mais bon, puisque nous en parlons et puisque le temps et le contenu de mes entrées en matière semblent déranger parfois certains intervenants, qui m'ont dit hors antenne qu'ils souhaiteraient une présentation autrement plus incolore, un peu moins engagée, puisque le sens que je leur donne ne leur convient pas toujours, je rappelle que je ne déroge en rien à l'éthique journalistique, puisque je sépare de façon nette l'information que je donne et le commentaire que je fais et que j'assume personnellement comme étant le mien. L'information est objective, le commentaire est libre, mes introductions doivent être appréhendées de la même manière qu'une chronique, un édito, un point de vue ou ce qu'on voudra. Je donne le ton et j'annonce la couleur, mais libre à chacun de développer un discours contraire au mien, voire même de m'apporter la contradiction. Si j'ai moi-même toute latitude pour m'exprimer librement sur El Maghribia, sans aucune bride, d'aucune sorte, je ne peux pas, à mon tour, ne pas accorder à mes invités le droit de s'exprimer comme ils veulent. Aujourd'hui, donc, après la formidable levée des boucliers des citoyens algériens contre la visite de Sissi dans l'émission Sada Chere d'hier, l'écho de la rue, j'ai voulu revenir sur cet événement et donner la parole à des gens dont l'expression citoyenne n'est bridée par aucune considération carriériste. Nous allons voir les journaux suivants. L'expression « Le président égyptien Assisi en visite à Alger, Alger et Le Caire sur la même longueur d'onde. » Ensuite, « Le soir d'Algérie, Assisi à Alger pour quelques heures, une visite à plusieurs enjeux. » Huffington Post, « Courte visite de Sisi à Alger pour le gaz et la Libye. » Et faire oublier d'un délicat propos de campagne. Avec nous, pour en parler, nous aurons M. Gerfa Badreddine et M. Ben Ajila Sofiane,
Mais avant de commencer à en discuter, voyons, visionnons ensemble cette courte vidéo où nous allons assister à un entretien surréaliste, comme l'a qualifié le webmaster de Algeria Son. Vidéo, s'il vous plaît. Voilà, vous l'avez entendu dire que le roi d'Arabie Saoudite l'avait appelé, qu'il était très content parce que le roi d'Arabie Saoudite aime bien le football ou le match ou le sport, ou je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Ben Ajila Sofiane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci. Ben Ajila Sofiane, ingénieur agronome à l'Rouat, militant des droits de l'homme. Alors, que pensez-vous de cette visite du raïs égyptien chez nous? Il est venu chercher, disons, plus de force. L'Algérie est en train de le tuer par rapport aux pays africains, c'est-à-dire pour remettre l'Égypte à sa place, disons, avant le coup d'État. Et il a besoin. Mais bon, de ce point de vue-là, sur le plan économique, ça m'étonnerait qu'on puisse l'Algérie puisse l'aider réellement. Ce qui est parce qu'elle ne peut même pas augmenter ses capacités de production actuellement. On a même des difficultés à honorer nos contrats. Voilà, donc bon, sur la scène internationale et économiquement, on pèse plus grand-chose, quoi. Hein, Mais on dit donc qu'il y aurait des possibilités d'aide, de coopération gazière sous. Vous êtes certainement au courant qu'on a des difficultés à honorer déjà nos contrats, hein, déjà qui existent, notamment avec les Turcs, etc. Donc, je me demande par quels moyens on va pouvoir les aider par le gaz. Bon, ça va être des trucs qui sont juste comme ça pour la forme, mais réellement, non. Et bon, parce que actuellement, ça se passe mal avec le Qatar, donc ils se retournent vers nous, et en plus, politiquement, on se ressemble beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Mais on dit aussi que la visite est surtout axée, entre autres motifs, sur une coopération voulue par les Américains entre l'Algérie et l'Égypte pour prendre la Libye en étau et pouvoir réaménager, reconfigurer la situation dans ce pays en fonction des désirata des uns et des autres. Oui, mais ça commence à devenir déjà qu'on a là des tout ce qui se passe. Il y a l'Ukraine, le feu est allumé un peu partout. L'Ukraine, la Syrie, etc. Boko Haram, etc. Donc ça commence à devenir la fin avec ces Américains qui allument le feu partout, qui viennent dire nous on vient réguler. Et en fait, ils s'appuient sur des dictatures qui n'ont aucun poids populaire. Des gens comme le Sisi ou comme Bouteflika, etc. Donc, ils peuvent les manipuler comme ils veulent et ils s'arrangent pour préserver leurs intérêts pétroliers ici. Et ça rentre dans l'histoire d'Africacom, etc., quoi. L'hégémonie, c'est connu, quoi. C'est une histoire. Oui. Et ils œuvrent là-dedans. Et puis, les Américains, ils sont menacés par la chute la perte du dollar en tant que monnaie de référence. Et donc, il accélère tout ça, quoi. Mais dites-moi, monsieur Ben Ajila Sofiane, vous n'avez pas l'impression que les Algériens sont complètement débranchés de ce genre d'histoire? Exactement. Exactement. Moi, un type comme ça, bon, ça a dépassé à 96% les deux.
des coups d'épaule, c'est toutes les, ils sont poussés là-dedans. Le type, il se met, ils ont réduit à 183 condamnations à mort. Il continue à maintenir le destin de population. Comme ça, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, la paupérisation, elle est grandissante et eux, ils s'octroient de plus en plus d'argent. Ils font un jeu de l'hégémonie internationale, quoi. C'est tout. C'est des pions. Parce que nous, toute cette histoire de gaz de schiste et tout, c'est la même chose. Ça passe, ça va à Liberton, Dick Cheney, etc. C'est toujours le même circuit, quoi. C'est une autre filière par rapport à la filière des armes, par rapport à la filière de la drogue, etc. Restez avec nous, Sofiane, restez avec nous. Nous allons accueillir Badreddin Gerfa. C'est Badreddin, salam alaikum, merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. Salam Wa alaikum. alaikum salam. C'est Badreddin, quel est votre sentiment sur cette visite de ce monsieur? Si jamais vraiment, c'est drôle ce que je ressens. Il y a de la tristesse et du bonheur en même temps. La tristesse quand je revois les victimes de la place Abaadawiya ou bien de la place Nahda. Je revois les victimes aussi de la place du 1er mai en juin 91 à Alger. Et un bonheur aussi parce que. Tout devient clair pour les peuples, que ce soit pour le peuple égyptien ou le peuple algérien. Les régimes, en fin de compte, c'est des régimes issus de coups d'État, des régimes qui sont à la solde. Je me rappelle qu'avant, même du temps de Boumedienne, même si c'était un dictateur, mais ce qu'il y avait de bon, au moins dans sa politique, je me souviens de la création du Front de la Fermeté pour contrecarrer la politique israélienne. Maintenant, je crois qu'il y a un front de la contre-révolution qui se crée, qui est en train de se créer, qui s'affirme de plus en plus, qui démarre de l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, La Syrie, l'Égypte, la Syrie, l'Égypte. l'Algérie avec un clin d'œil, c'est grave, avec un clin d'œil flagrant pour Israël. C'est Oui. ça ce qui se fait maintenant. C'est triste. C'est triste pour les peuples, mais aussi, je le dis, je le redis, c'est l'éveil de la jeunesse arabe en perpétuelle révolution. Et croyez-moi, les peuples arabes maintenant, après post-révolution, ne sont plus les mêmes qu'avant la révolution, quelle que soit la force actuelle de la contre-révolution. Et souvenez-vous que la révolution française a enfanté à un moment donné Napoléon Bonaparte. Mais Oui. en fin de compte, ça s'est terminé par la démocratie, la séparation des pouvoirs, la liberté individuelle et la liberté collective. Mais Badreddin Gerfa, hier j'écoutais, j'entendais, je regardais notre émission Sada Acharin, et les citoyens algériens intervenaient, ils étaient ulcérés par cette visite de Sisi. C'était unanime à le condamner. D'ailleurs, certains utilisaient des qualificatifs vraiment presque à la limite de l'inqualifiable. Mais sinon, hormis quelques gens qui appellent, qui s'engagent, qui s'expriment, on a l'impression que les Algériens sont complètement déconnectés de leur histoire, de ce qui se passe dans leur pays, ce que vous êtes en train de décrire, cet axe du mal qui est en train de se créer devant nos yeux entre la réaction, les forces les plus réactionnaires qu'on puisse imaginer. Et le pire, c'est qu'il y a même des gens qui se disent progressistes, qui sont du côté de Sisi, qui sont du côté de Bachar el-Assad, soi-disant parce qu'ils luttent contre le péril islamiste, les hordes barbares, d'intégristes, etc. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une déconnexion presque totale de nos sociétés? Justement, Jamel, c'est cette démocratie à deux vitesses qui m'intrigue. Je ne comprends pas les forces politiques, par exemple, algériennes. Je n'ai pas vu, à part Hamas et Nahda, qui sont des partis, disons, islamistes, qui ont eu fort leur désapprobation pour cette visite. Normalement, les partis algériens, d'une façon unanime, doivent être à la hauteur du sentiment qu'éprouve le peuple algérien pour cette visite. Je ne comprends pas.
J'ai peur, je le dis, j'ai peur que beaucoup de partis algériens d'opposition qui réclament, qui parlent de liberté, de démocratie, quand il s'agit d'un parti comme le parti de Morsi, qui est un parti des frères musulmans, c'est à demi-mot. Ça, ça ne passe pas. Et les Algériens, je vous assure, je suis un Algérien, je vis en Algérie, je vis avec le peuple algérien. Depuis le coup d'État de ce maréchal, ancien général Sissi, et les Algériens sont pour la légitimité en Libye. C'est ça le grand problème. Mais de toute façon, cette taxe, comme vous le dites si bien, finira par se casser, par se casser, parce que la révolution, c'est une dynamique, et une dynamique, ça va de l'avant, elle ne s'arrêtera pas, et le dernier mot, finalement, reviendra à cette jeunesse Oui, mais c'est Badreddin, arabe c'est qui aspire à la Badreddin, liberté, hein. c'est Badreddin, c'est bien beau, mais il faudrait que nous nous regardions dans une glace et que nous reconnaissions la vérité comme elle est. Les gens s'en foutent éperdument, ils sont en train de courir après des privilèges, après une vie meilleure, après des petits privilèges à gauche, à droite, au point où ils ne voient même pas. Qu'ils ont tellement le nez dans le guidon qu'ils ne voient même pas que le pays tout entier, en parlant du nôtre, hein, va vers le ravin et qu'ils sont en train de compromettre l'avenir de leurs propres gosses. Même ça, ils ne le voient pas. Même les élites, nos élites, les universitaires, les gens qui réfléchissent, les gens qui savent que de toute façon, ils ne pourront pas tous fuir à l'étranger, ils ne voient pas que cette situation ne peut pas durer. Nous allons aller vers droit au mur. Qu'il y ait un axe avec l'Égypte ou pas, on va droit au mur. Comment vous expliquer que les gens ne se rendent pas compte, ne se réveillent pas? C'est pas seulement une Non, question de non. parti, c'est pas seulement une question de parti politique dont vous parlez, qui parle à demi-mot. C'est la population, c'est la société, c'est le peuple qui est complètement dans les vapes. Et qui continue de se complaire dans cette situation où il se trouve et qui n'est qu'une anesthésie générale, un coma d'où il ne pourrait plus jamais revenir. Je m'excuse d'avoir été aussi long. Non, je suis d'accord avec vous, Jamal, mais écoutez. C'est quoi une élite? Son rôle, c'est quoi, justement? L'élite, elle est là pour travailler, pour éclairer les gens, pour éclairer la population, pour aller de l'avant. Mais notre élite, je le dis avec amertume, l'élite, entre guillemets, algérienne est hors course. Elle a été corrompue, c'est vrai. Elle sait que l'Algérie elle est dans le gouffre, mais tout le monde cherche avec des calculs dépassés, ses intérêts personnels. Mais quand même, permets-moi, Jamel, de dire quand même qu'il y a un début d'éveil, un début de changement, même chez l'élite algérienne, ça va au petit pas, mais ça va venir, ça va venir. On ne peut pas demander au peuple algérien, après, avec le marathon de ce qu'on appelle la décennie noire avec toutes ses victimes, on ne peut pas demander au peuple algérien de refaire un autre marathon, même si c'est par des trucs pacifiques, comme ça, très facilement. Et justement, le pouvoir algérien use de ce qui s'est passé les années 90 pour faire peur aux Algériens. Attention! Ou moi, ou le changement, ou moi, ou le chaos, et nous sommes en plein dans le chaos. Mais quand même, il faut faire confiance à cette jeunesse algérienne, je pense. Il faut faire confiance à la femme algérienne, cette élite, où elle sera le porte-flambeau, où ce peuple, j'en suis certain, c'est ça l'histoire, c'est ça les mouvements de l'histoire. Il y a bien eu la révolte de Spartacus dans la mythologie. Donc, où cette élite prendra le flambeau et avancera avec ce peuple, où ce peuple en mouvement, dans sa dynamique, créera une autre élite qui sera le principal moyen de changement, je pense. Merci Badreddin Gerva, merci. Nous allons laisser le dernier mot à Benajila Soufiane. Si Benajila
Il nous reste plus beaucoup de temps, même moins de 3 minutes. Donc, que pourriez-vous nous dire sur cette Non. visite et sur vos espoirs en notre peuple, en un changement possible? Regrettable. Effectivement, il n'y a pas de positionnement ni de parti politique, ni disons, des citoyens, mais je reste que un signe de protestation. Ça, c'est regrettable. Mais par rapport aux élites, il y a une position. Bon, il faut savoir qu'il y a déjà une personne de cadre qui sont partis pendant les 15 années de Bouteflika, là. Et il faut savoir aussi qu'avec le système éducatif qu'on a pratiquement à 40 ans et à moins de 40 ans, des gens qui ne maîtrisent aucune langue, ni l'arabe, ni le français, ni autre chose. Donc, pratiquement, c'est des analphabètes. Donc, la transmission et l'échange d'informations sont là. Et bon, il y a la corruption. Il y a la corruption. Il y a le manque de courage de se dire, moi, je suis payé et je ne fous rien. Et quelque part, il y a aussi une histoire de j'ai fait ma part de rente. Hein, et on accepte ça. Mais il faut avoir le courage de se dire, ça y est, arrêtons de Mais est-ce que vivre les gens ne se sur rendent ces pas illusions, compte, quoi. est-ce que les gens ne se rendent pas compte qu'on va droit au mur, que Ici, l'Algérie, comme ça, si elle continue il comme ça, semble qu'on elle va tout le monde dit exploser? mais il n'y a pas le courage. Et il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait une cassure pour que les gens ils sachent que il n'y a pas plus où aller. Et c'est tant que les gens arrivent à manger, tout tant que le port fonctionne, ça sera comme ça. Mais ils prendront pas le courage de sortir d'un confort même illusionnaire, quoi. C'est complètement et aller dire bon, du jour au lendemain je vais travailler, je vais développer activité, etc., etc., et qu'on se regarde en face en tant que société, ça c'est pas évident du tout. Et il n'y a pas de leadership qui en parle, qui est capable de créer un truc de fédératif autour. Et donc ça c'est mais ça on va y arriver. On va y arriver parce Espérant, que Sofiane Benagila, merci de nous avoir accompagnés. En espérant vous revoir bientôt. Cette émission est finie. Merci de nous avoir accompagnés. Salam alaikum. Azul Villaouen. Bonne fin d'après-midi.